Non, président conseil présidentiel transition, Edgar Leblanc-Fils, qui était accompagné à conseiller présidentiel Smith Augustin, lui-même tout dans déclaration, lui était profité, salué à Campil, quelques content nouveau combattant Sayo, qui est selon lui bien préparé pour combattre insécurité à ravager et payant. Président conseil là renouvelé volonté avec détermination conseil présidentiel transition avec un gouvernement connaissant pour rétablir un climat la paix tout partout dans le pays. J'en ça écrit dans l'accord 3 avril 2024 là Edgar Leblanc-Fils. Occasion pour la parole matin comme président conseil présidentiel transition dans la cérémonie pour remettre 455 nouveaux policiers certificat graduation comme agent PNH qui va rentrer dans l'unité et spécialiser la police là. C'est avec quel content m'a salué déploiement bataillon jeunes garçons et jeunes femmes Sayo qui sont pleins bonnes informations dans affaires combat gang pour libérer le pays de mauvais pichons Sayo qui a fait population mal vivre et spécialement dans la zone capitale là et quelques villes dans la province. Notamment dans la zone latibonite. Cérémonie ça a pour moi deux grosses significations. Tout d'abord, il traduit volonté nouveau gradué Sayo pour combattre jour de bout, gang examen tout côté. C'est mission ça même, conseil présidentiel transition by tête, déraciner insécurité dans le pays, association malfaiteur Sayo qui pensait. Yo ka détruit nation pap 6. Yo pa gagné aucune chance. Y a joine bouchon. N'a tout profité applaudi chaque grain policier, femme ou garçon qui aidé pays à bataille contre malfaiteur. Conseil présidentiel là, dans tête collé avec gouvernement a metté toute unité spécialisée dans la police là, la condition matérielle psychologique pour combattre gang yo, démanteler yo et puis permettre tout le monde dans tout quartier capable de circuler libre et libre dans tout pays.